Ah, il fait le spectacle, comme d'habitude, Clément Lefebvre. Ah, c'est beau. Lui qui est de plus en plus appelé par Patrice Quinton. On va tenter de le suivre tranquillement, il va faire trotter. Sa Dark Lee Rochelaise, la langue sortie. Allez, elle est belle, cette Dark Lee Rochelaise. Elle est aérienne après 50 800 mètres. Ah, c'est top. Applaudi par tous les gradins. Lisa Quinton qui vient féliciter Clément Lefebvre et sa petite craque. Splendide cette Dark Lee Rochelaise. Le grand sourire de Patrice Quinton. Il a été pas loin de signer de prendre les 3 des 4 premières places. On va lui demander un petit mot à chaud à Clément. Clément, bravo, on vient d'entendre que tu lui as laissé une belle chance et elle a dû te faire plaisir quand t'as pris la tête, t'avais du drôle de gaz. Hein. Oui, exactement, c'est une jument qui faisait une rentrée d'un an tout pile puisqu'elle avait couru pour la dernière fois ce cross l'an dernier. Je l'ai montée offensif, elle était un poil sur la main tout au long du parcours et dernière diagonale, quand mes deux collègues ont avancé, elle m'a demandé à respirer, je lui ai laissé une chance. On a bénéficié de la chute d'un des adversaires, ce qui, je pense, qu'il était parti pour la gagne, mais quoi qu'il arrive, on aurait fini comme elle l'a fait en avançant, et j'ai bien fait l'attendre parce que les 100 derniers mètres, ils étaient longs, donc voilà, c'est plus un manque de compétition qu'autre chose, mais le travail a été remarquable de toute son équipe et son entraîneur, et voilà, c'est bon, compte à rempli. Elle te fait plaisir, en plus, elle a remarquablement bien sauté, t'as pu en faire ce que t'as voulu. Oui, exactement, on n'avait pas prévu de partir si près, mais comme tout le monde voulait bien partir. On avait une des favorites de la course, je voulais pas m'embêter à prendre des coups. Et voilà, bien m'en a pris et on a gagné, c'est le principal. C'est très important pour son entraîneur et toute l'équipe et les propriétaires de gagner ici. Donc c'est fallait gagner, j'étais limite plus tendu que de monter un groupe 1. Voilà. Et en plus, ça a dû te faire plaisir, là, une foule magnifique hein, quand on te voit secouer ton bâton là, en revenant au trot, c'est magnifique. Ouais, bah, on n'a pas ça le jour des groupes 1, c'est dommage. C'est dommage.